I'm in the mood for love, c'est un très grand standard qui a été arrangé plein de fois. Donc ce que je vais vous proposer, c'est ma modeste adaptation qui s'inspire également d'autres adaptations, d'autres arrangements. J'ai voulu que ceci soit simple et réalisable. Alors évidemment, c'est pas quelque chose pour débutants absolus, mais si vous êtes de niveau intermédiaire, je vous assure que les doigtés, vous allez réussir à les produire. Formez un Do majeur de manière très basique avec simplement deux doigts et vous allez brosser les cordes à partir de la cinquième corde avec le pouce. J'ai choisi de faire quelque chose avec des cordes à vis. Je me suis dit, si vous le jouez sur une guitare acoustique, une guitare avec les cordes en nylon, eh bien déjà ça va être un petit peu plus sympa parce que ça va être un peu plus facile. Et puis voilà, ça va changer un petit peu, les cordes elles vont résonner, donc on va voir ce que ça donne. On va alterner pouce, index. Donc l'index, il va jouer la première corde. 1, 0. Ensuite, j'ai déplacé ma main et le doigt numéro 1 va être sur la troisième case avec au pouce simultanément la corde de La. Le petit doigt va se poser sur la cinquième en laissant résonner la troisième case. Et on passe au Fa 6. Là, ça va être avec trois doigts plus, donc index, majeur, pouce. On va essayer de les accrocher en même temps. On va essayer de faire durer cet accord le plus longtemps possible. Quatre, trois. Alors, s'il vous plaît, il va falloir jouer le jeu parce qu'effectivement, on a les notes de la mélodie. On a ces accords qui sont arrangés et qui reprennent eh bien, ces notes de la mélodie. Donc, ça nous fait des triades un petit peu bizarres. Et si on les nomme telles quelles, eh bien, ce n'est plus du tout les accords du morceau, si vous connaissez déjà les accords d'accompagnement de ce morceau. Donc, c'est pour ça qu'il ne va pas falloir trop apprendre ces accords tels quels comme un dictionnaire d'accords, mais simplement comprendre que voilà, des fois, il va y avoir une triade qui va simplement venir en substitution d'un Ré mineur 7 parce qu'elle va reprendre la mélodie du chant. Alors, je l'ai noté comme un Ré mineur 7, il vient en substitution du Sol 7. Gardez à l'esprit que c'est les notes de la mélodie qui font que voilà, on a des accords qui sont peut-être un petit peu bizarres. Donc, ce n'est pas véritablement un Ré mineur 7, bien sûr que non, c'est une petite triade. Mais bon, voilà, elle a les couleurs du Ré mineur 7 en tout cas. Alors, pour avoir ce son de brossé, en fait, je ne vais pas faire tous les doigts en même temps, mais je vais les séparer un à un. Et très rapidement. 1, 2, 3. Donc, je laisse la note durer et c'est le petit doigt qui va faire la cinquième et la sixième. Vous pouvez faire un double, une double note avec un barré à la troisième case pour le sol. Cinquième case avec le petit doigt ou le doigt numéro 3. On passe au Mi bémol diminué avec une sixte B.
magnifique cet accord. Donc on va essayer d'avoir toutes les notes bien rondes, bien sourdes. Et ensuite, le Do sus 2. Alors, vous allez le former un petit peu comme un Sol. Vous ne ratez pas parce que vous avez trois doigts ici, avec les cordes 3, 2 et 1. Et avec le pouce, vous avez la corde de Mi grave, la basse. C'est la petite difficulté, en fait, de les avoir bien nettes. Mais bon, c'est quand même, allez, on va dire, des notes qui durent deux temps, des accords de blanche. Donc vous avez le temps de placer vos doigts et vous pouvez ralentir. Hein. Et éventuellement, si vous n'avez pas le temps, vous allez faire... tout à fait acceptable. Le Mi mineur 7... On va jouer ça donc avec des triolets de noir et on va simplement lever le petit doigt pour faire ces trois notes. Dixième case, septième case, dixième qui sont accrochées avec ses doigts. On revient sur notre Mi bémol dim, 6B. Mais là, c'est le doigt numéro 1 qui va aller à la sixième case. Et ensuite, on démanche Ré mineur 7. On le laisse bien résonner. Le petit walking bass très sympa, 5, 4, 3, qui va remplacer un petit peu le Sol 7 qui est trop prévisible. Bon, c'est une adaptation, c'est un arrangement. Vous pouvez évidemment en faire ce que vous voulez. Le Ré mineur 7, on va le prendre comme ceci. Là encore, ce n'est pas le Ré mineur 7 tel que vous le connaissez, c'est une forme de Ré mineur 7. Et là, c'est des croches, donc 1 et... Et là, on a une suite de triolet de croches. Huitième case avec le petit doigt. Et là, c'est la petite difficulté, le Sol 9. Donc, vous allez en fait, au lieu de faire... qui est tout à fait acceptable, voire préférable, eh bien, comme je n'arrive pas à les placer de manière assez rapide mes doigts, je vais le faire en deux temps. Cette mesure 7. Et ensuite, Mi mineur 7. Là, le barré classique. Vous pouvez même le brosser. La 7. Ré mineur 7. Et le Sol. On n'a pu m'empêcher de le jouer comme ça. Et vraiment, il sonne magnifique. Aussi simple dans sa forme. Vous allez rejouer tout ça, mais à la place de ce petit turnaround, vous allez simplement jouer un Do majeur, hyper basique, mais il sonne magnifique. On aborde la partie B, donc la partie du couplet, on va dire, et cette partie, elle est un petit peu moins complexe que la première. Donc si vous avez la première dans les doigts, eh bien c'est bon, pas de souci. La deuxième, ça va être une formalité. On a des notes qui sont très espacées, avec des accords qui vont durer un petit peu plus longtemps. La suite reprend énormément des motifs rythmiques et des doigtés qu'on a déjà vus. Donc, cette petite triade de Fa 6, donc bien la brosser, mais avec trois doigts. Si ça ne passe pas, vous faites avec le pouce. 5, 6, le Sol. Alors attention, ce n'est pas un barré, hein. Je prends juste la troisième case et la cinquième. Et là, effectivement, il va y avoir la cinquième, la troisième. Petit doigt ou annulaire. Le Mi mineur 7 quinte B. Il est magnifique avec une petite tension très très mélodique. Donc 7, 8, 7, 8. Il faut vraiment le connaître celui-là. Le petit walking bass, cinquième case, le La. La petite triade de Ré mineur 7. Donc on laisse bien durer et le petit doigt va faire le travail de la note mélodique. 3, 5, 6. Le même motif. 5, 3.
et le Do majeur 7. Alors, dans le style fingerstyle, vous pouvez le prendre comme ceci, le Do majeur 7. Il sonne magnifique, vous avez votre Do majeur 7 que vous connaissez par cœur. Peut-être ceux qui suivent mes vidéos connaissent ça, cette triade de Ré mineur ou alors cette triade de Mi mineur. Une triade de Mi mineur comme ceci, basse Do, ça fait simplement un Do majeur 7, puisqu'on a la note Si. Le La mineur 6, absolument magnifique comme ceci, avec l'index, le majeur et le petit doigt sur les cases 4, 5, 7. Avec la corde de La, vous allez le faire comme ceci, si possible. Donc, détachez un petit peu les doigts. Tous mes doigts de la main côté chevalet sont posés déjà contre les bonnes cordes. Et je vais les jouer un à un, mais rapidement. Là, je vais simplement décaler ma main. 8, 5. Le petit doigt, vous l'enlevez surtout pas, vous en avez besoin pour la triade suivante. 7, 8, 8. Donc, qui appartiennent au 6/7. Donc, pouce, index majeur, Mi mineur 7. On se repose. Donc, c'est des petits motifs à répéter plusieurs fois pour être vraiment habitué. La triade de La mineur. 7e case. Une triade de Ré majeur. On revient sur la triade de Fa 6. Donc 5, 3. Et le Sol 7. Il faut la connaître, cette petite triade, elle est sympa. Donc 5, 4, 6. Cette forme-là, peut-être vous ne la connaissez pas, il faut la prendre. Elle est assez sympa, elle est très jazzy, mais elle peut être bluesy également. Et on a la fondamentale, donc le Sol, la tierce majeure ici, dans la 4e case, et simplement la 7e, donc 7e mineur ou 7e bémol, à la 6e case. Et ensuite, donc, vous revenez bien entendu sur le thème du début. Alors, vous n'avez pas simplement que les tablatures à l'écran, vous pouvez les télécharger au format PDF et au format Guitar Pro, et ensuite, vous pouvez les imprimer. En devenant tipeur ou membre de la chaîne Roue Guitare, ce n'est pas juste ce tutoriel auquel vous accéderez, mais c'est également tous mes autres tutoriels sur YouTube. Donc, je vous invite à nous rejoindre, et ceci témoigne également de votre support pour la chaîne Roue Guitare et pour mes contenus, donc ça me fait super plaisir. Alors, certains d'entre vous ont demandé, est-ce que les partitions solfège, c'est-à-dire les notes sur la portée, apparaissent sur mes transcriptions. Oui, absolument, mais pas à l'écran de mes vidéos YouTube, puisque sur, évidemment, le petit écran, on ne peut pas loger énormément de choses. Donc, j'ai remarqué que quand on va à l'essentiel, simplement le rythme, et c'est déjà assez complexe avec toutes ces appoggiatures, tous ces hammer-ons, ces pull-offs et ces petits motifs rythmiques, eh bien, voilà, en général, donc, ça suffit. Et vous, avec le fichier Guitar Pro, vous pouvez sélectionner notes sur la portée ou sans les notes de la portée. Mais les notes, évidemment, elles sont écrites, elles sont dans le programme, bien entendu. Vous aimez le picking, le blues et le jazz? Eh bien, ça tombe bien, moi aussi. Et si vous voulez progresser à la guitare, eh bien, abonnez-vous à la chaîne Roue Guitare. Comme ça, vous ne raterez aucun de mes petits conseils, aucune de mes vidéos.